Visant à transformer l'environnement des affaires, Célestin Kadjidja, le président du Conseil de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a lancé officiellement les activités du centre d'homologation de l'ARCEP, Sisabadiri 4, dans le premier arrondissement de Libreville. Ce centre représente un tournant important pour un meilleur rendement des démarches administratives destinées aux opérateurs économiques. Sur la feuille de route qui m'a été transmise par les très hautes autorités, figurait la restauration des conditions de travail, l'amélioration du management de l'ARCEP. Donc il fallait absolument offrir aux collaborateurs du guichet unique un nouveau cadre de travail, plus convivial. Surtout que le guichet unique, c'est la vitrine de l'ARCEP. L'une des missions de la direction des homologations et de la qualité des réseaux, comme son nom l'indique, c'est d'abord veiller à ce que les opérateurs qui importent des équipements de communication électronique se mettent à la réglementation. Cette cérémonie, qui coïncide avec l'an 1 du magistère du président de cette institution, a été l'occasion pour le personnel de dresser un bilan des réalisations. Sur le plan social, nous notons entre autres l'instauration du dialogue social permanent avec les représentants du personnel, la mise en place d'une couverture complémentaire en assurance maladie pour l'ensemble du personnel, l'acquisition de nouveaux bureaux et l'espace de travail dans lequel nous sommes actuellement du centre d'homologation. Nous relevons la relance du grand projet relatif aux services universels. Pour rappel, l'ARCEP, l'Autorité de régulation et des communications électroniques et des postes, est une structure administrative indépendante chargée de réguler, de contrôler et de suivre les activités des exploitants et des opérateurs exerçant dans le secteur des communications électroniques et des postes au Gabon.